BA. Derrière ces initiales se cache un des derniers survivants des réseaux secondaires français à voie métrique. Après 30 ans d'hésitation et de controverses, les travaux pour construire les 191 km de ligne débutent enfin en 1899. Favorablement impressionnée par les essais d'une automotrice Tartari, la compagnie fait l'acquisition en 1924 d'une automotrice Renault Semia. Mais elle ne donnera pas les résultats escomptés et sera surtout utilisée en renfort. Dès la réception des autorails Vernet X221 à 224 et des remorques XR 702 et 703 en 1950-51, la traction vapeur cesse d'être utilisée en service voyageurs. En 1953, deux locotracteurs sont construits aux ateliers de Romorantin sur les châssis d'anciennes locomotives à vapeur, dont ils conservent les trois essieux accouplés par bielle. Ils portent les numéros 13 et 14. Il est tout d'abord dépassé par un Vernet. La sous-préfecture de l'Indre perd ainsi ses derniers trains de voyageurs, toutes les autres dessertes de l'étoile ayant été supprimées de 1933 à 1940. Le locotracteur numéro 11 entre en gare de Pellevoisin, où il va laisser quelques wagons avant de repartir. Ces autorails dérivés des OC1 ont été construits entre 1946 et 1948. Ils sont équipés d'un moteur Willem 8 cylindres de 180 chevaux. Nous approchons de Clémont. Ce sera le terminus de notre voyage sur cette extrémité de la ligne qui sera fermée le 15 décembre 1973. Nous voici à l'autre extrémité de la ligne, à Buzançais, où le BA rencontre la transversale de Tours à Châteauroux qui a perdu son trafic voyageur en 1970. L'X202, qui assure le train du soir, prend le départ pour Salbris. Cette scène quotidienne appartiendra bientôt au passé. La 2D2 5525 rencontre le Vernet X212 et une remorque qui relève la correspondance.